Tableau numérique, et donc il va nous permettre de rendre le cours plus dynamique, donc avec les illustrations qu'on peut mettre en classe, avec les consignes, le texte sur lequel on travaille. Ça va également favoriser la participation des élèves, et puis moi je vais également pouvoir illustrer davantage mon propos, les séances que nous sommes en train de mettre en place. Dans le cadre du Fonds européen de développement régional, c'est un projet de 9 millions d'euros qui a été déposé pour un subventionnement à hauteur de 50%. Donc aujourd'hui, pour l'ensemble du territoire girondin, c'est 4,5 millions d'euros qui sont positionnés pour accompagner toutes les collectivités à l'équipement de leurs écoles. Normalement, ça couvre vraiment tout le panel des équipements qui sont demandés par l'Éducation nationale. Va me permettre d'attirer l'attention sur une difficulté, sur un point particulier, mais ensuite ça ne va pas remplacer l'enseignement. Les phases collectives, les phases de travail, de recherche sont extrêmement importantes. L'outil, le tableau numérique va être un outil que je vais utiliser ponctuellement sur une phase de ma séance. C'est bien parce que s'il n'y aurait pas de tableau, ce serait plus difficile. Et en plus, ils mettent une seule fois qu'ils devraient à répéter. Et ce ne serait pas utile pour la classe. C'est bien parce que ça fait des 3 en 1. On peut écrire des choses, on peut montrer des fils. Et on peut mettre des photos. On peut se servir d'un stylet. C'est cool. Et on peut faire beaucoup de travail. On peut aller au tableau, écrire et projeter. En plus, ça nous fait un peu d'amusement. Et c'est cool.